Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Louer en courte durée. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en présence de Guillaume Lanvin. Salut Guillaume. Salut Sébastien. Merci d'être présent sur cette chaîne aujourd'hui. Alors ta spécialité, c'est l'immeuble de rapport. Exactement. Et ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que tu nous expliques comment faire du nu dans de l'immeuble de rapport avec plus de 10% de rentabilité. Ça te va? Ok, allez, on y va. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors Guillaume, merci d'être présent aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu peux te présenter puis nous expliquer voilà, comment faire pour acheter de l'immeuble de rapport à plus de 10% de rentabilité? Ok, bah alors bonjour à tous. Écoute Sébastien, merci de m'avoir proposé cette interview. Avec plaisir. Donc je suis Guillaume Lanvin, j'ai 44 ans, père de 3 enfants, marié et j'habite Bordeaux. Et je suis un investisseur en immobilier depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai commencé d'une manière très classique par un studio dans une ville moyenne qui s'autofinançait. Enfin, je pensais qu'il s'autofinançait, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je remboursais 300 euros et j'encaissais 300 euros de loyer. Et ouais, il y a les charges, voilà, tout exactement. Ce qui va derrière. À okay. L'époque, je ne savais pas qu'il fallait tenir compte de la taxe foncière, des charges de copro, parce que c'était en copro. Et ben justement, comme c'était en copro, très vite, je me suis rendu compte que les copropriétés, c'était pas du tout mon truc. Pourquoi ? Parce que j'ai assisté à une première réunion de copro qui était complètement hallucinante, où les gens s'insultaient. Il y avait, on va dire, les vieux radins qui voulaient pas mettre la main porte-monnaie, et puis des jeunes loups qui voulaient investir, mais dans des choses un peu des fois délirantes. Donc du coup, ça crée des conflits et il y avait une sale ambiance dans la copro. Donc rapidement, je me suis dit, les copros, c'est pas mon truc. Okay. Donc, je vais investir dans des petits immeubles de rapport pour éviter la copro. Ok. Voilà. Et donc, depuis, tu fais que ça. Je crois que j'ai vu passer un de tes témoignages, j'ai une photo que tu as publiée dernièrement. Tu dis, j'en suis à ma 45e opération chez le notaire. Alors, 45e visite chez le notaire. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est bien, tu suis mon actualité. En fait, je suis passé 43 fois chez le notaire. Ouais. Mais bon, c'était un peu pour faire le buzz. Hein. Dedans, il y a aussi des reventes. Ouais. Donc, au total, oui, j'ai eu pas mal de lots, j'ai revendu. En fait, avec Elodie, mon épouse, on a eu 2 vies d'investisseurs. C'est-à-dire la première dans le nord de la France, où on était monté à, de mémoire, 15 lots, je crois. Et il y a 10 ans, on a déménagé à Bordeaux. Et donc, en déménageant à Bordeaux, j'ai revendu tout ce que j'avais dans le nord. Et j'ai... Donc je suis reparti de zéro à Bordeaux et j'ai recommencé à investir. Ok. Voilà. Bon, ça fait quand même une certaine expérience immobilière. Ça fait pas mal de passages chez le notaire, oui. Ok, donc tu es spécialisé dans l'immeuble de rapport. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher plus de 10% en nu? Alors ça, c'est vrai que c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Mais alors, il faut comprendre un truc, Sébastien. C'est que l'immeuble de rapport, c'est pas la belle tour de la Trump Tower. C'est pas du tout ça. Hein. Un immeuble de rapport, ça peut être une petite maison de ville divisée en 3 appartements dans une ville de 5000 habitants. D'accord. Ça, c'est aussi un immeuble de rapport. Ok. Et alors, donc, ce que tu veux savoir, c'est mon comment secret. Comment je fais, moi, pour avoir 10% de rentabilité en nu, quoi? Voilà, c'est pas évident. Alors, si tu cherches dans les grandes villes, toi, je sais que tu es sur Toulouse. Si tu cherches dans le centre de Toulouse en location nue sur un immeuble à 10% brut, ça va être difficile à trouver. Moi, à Bordeaux, c'est pareil, c'est impossible. À Lyon, c'est impossible. Enfin, on peut toujours trouver dans ces métropoles régionales, mais c'est vraiment pas la norme. Si ça arrive, ça sera vraiment. Vous allez le trouver une fois dans votre vie, c'est tout. Ok. Je parle bien en location nue. Après, il y a d'autres stratégies pour booster le rendement, notamment ce que tu fais qui est top. Hein. Donc, moi, l'idée, c'est que. Tu vois, j'habite dans le centre de Bordeaux, mais par choix stratégique, j'ai jamais cherché dans Bordeaux. Je me suis éloigné. Donc, je vais dans des petites villes d'entre 5 et 10 000 habitants qui sont, pour moi en tout cas, jusqu'à 1h30 autour de Bordeaux. D'accord. Et là, j'arrive à trouver, bien sûr, il faut quand même les chercher, il faut négocier. Mais là, j'arrive à trouver, on va dire, plus facilement des immeubles qui me sortent 10% brut. 10% brut avec les taux d'intérêt actuels, ça permet d'être autofinancé sans apport sur 20 ans, donc c'est parfait. D'accord. Ça dégage même un petit cash flow avec les taux d'intérêt actuels. Donc, s'éloigner des grosses métropoles pour toucher du prix de l'immobilier moins cher. Voilà. Et toujours quand même aller chercher l'autofinancement. Ok. C'est ça. Et donc,
L'objection qu'on pourrait avoir, c'est ouais, mais est-ce que ça se loue dans ces petites villes qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est drôle, Sébastien, parce que cette question, on me la pose tout le temps. Voilà, bah, tu vois. c'est normal. Effectivement, dans ce genre de ville, on a toujours peur. On se dit, mais je ne trouverai jamais de locataire, c'est impossible. Parce que souvent, c'est des petites villes où il y a peu de travail. C'est souvent peu de travail. Donc, ou alors, en tout cas pour ma part, autour de Bordeaux, ces petites villes-là, souvent, ce sont des gens qui travaillent, des ouvriers agricoles par exemple, qui travaillent dans la vigne, donc des gens qui ont des revenus assez faibles, des fois des gens au RSA. Je ne sais plus ta question. Ah oui, comment être certain de pouvoir louer? Oui, alors curieux. Tu fais une étude de marché, comment est-ce que tu fais? Alors oui, bien sûr, en fait ce qu'il faut se dire, c'est que c'est très simple. Dans ce genre de petites villes, souvent ce sont des bailleurs traditionnels à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils proposent des appartements qui sont défraîchis. Tu vois, typiquement, encore avec la cuisine très basique, avec les deux plaques en inox où on peut pas cuisiner, on peut rien faire. Donc souvent, c'est ce genre de choses. Donc toi, en tant que bailleur, si tu vas investir dans ce genre de ville, c'est très simple de concurrencer ces bailleurs en faisant mieux. Tu mets une belle petite cuisine IKEA, une salle de bain moderne. Donc en fait tu vas piquer, je prends toujours cette expression, tu piques le locataire du voisin en fait. Ouais. Donc il suffit de se mettre au même prix que le voisin, mais en apportant des prestations nettement supérieures, voire même légèrement supérieures. Et en faisant ça, c'est quasiment sûr de trouver un locataire. Je vais te donner mon exemple personnel. J'ai un petit immeuble dans un village de 800 habitants. Ah, je voulais t'en parler justement, voilà. ça m'a scié. Et alors en plus, c'est un village de Dordogne. Alors la Dordogne, c'est très sympa. Le Périgord, c'est très sympa l'été pour les touristes, pour bien manger. Mais la Dordogne, c'est un département qui est assez sinistré économiquement. Hein. C'est paumé. Hein. L'hiver, il se passe rien. Hein. À part dans les grandes villes, style Périgueux, Bergerac, et encore, c'est pas très très dynamique. Donc moi, j'ai un immeuble de 3 apparts dans un village de 800 habitants. On le possède avec Elodie, mon épouse, depuis 5 ans maintenant. J'ai eu quelques départs de locataires et à chaque fois, j'ai retrouvé. Et c'est, sans souci. Sans souci, c'est même... souvent, ça a été hyper simple, c'est-à-dire que j'ai même pas cherché. Ouais. C'est-à-dire que quand... Bouche-oreille. C'est le bouche-oreille, c'est-à-dire quand un locataire partait, ça m'arrivait 2-3 fois, et il me proposait quelqu'un d'autre. Ah ben, c'est du style, ah ben, j'ai ma cousine justement qui cherche ce type d'appartement. Parce que dans ces villages-là, en fait, il y a quasiment pas d'offres. Ok, donc en fait, bon, finalement c'est des choses classiques. Hein, c'est créer le coup de cœur en fait et avoir une gamme de produits au-dessus de ce qui se fait sur le marché. Donc de suite, t'attires l'attention. Et c'est comme ça que tu arrives à louer. Ok. Et la particularité de l'immeuble en fait dans le village de 800 habitants dont tu me parlais, parce qu'on se dit souvent, ok, c'est facile de louer un studio dans une ville comme Bordeaux, comme dans Toulouse. Tu as même un studio. Exactement. Dans cet immeuble. Alors, ouais. Explique-nous à qui tu loues ce studio. Alors aujourd'hui, ce studio est loué à une jeune travailleuse qui venait d'une région. Elle venait du nord de la France et elle a trouvé un emploi dans le village, dans un centre équestre. Et donc, elle cherchait un studio et comme c'était pas cher, c'était pas cher et bien équipé, elle était hyper, hyper contente de me le louer. Quoi. Ok, comme quoi, en fait, y a un besoin, toi tu proposes une offre en face et voilà, dès que ça match, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. Exactement. Okay. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, Sébastien, c'est que dans ce genre de petit village, un peu éloigné des grandes villes, la population est assez vieillissante. Donc si tu as un appartement en rez-de-chaussée, ça c'est top. Parce qu'en général, tu peux trouver une personne âgée qui va rentrer peut-être au moment de sa retraite et qui risque de rester 10, 15, voire 20 ans. Ça, c'est le bon locataire. Elle partira le jour où elle ira en maison de retraite. Ouais. Tu vois, donc c'est parfait, c'est ce genre de locataire. Idéal. En général, c'est des locataires qui prennent soin de ton logement, qui paient rubis sur l'ongle. Exactement. Le rez-de-chaussée, des fois, c'est l'appartement dont on n'a pas forcément envie. Exactement. Et là, c'est l'appartement qui va se louer très très facilement. C'est ok. Ça. C'est exactement ça. D'accord. Donc, s'éloigner des grandes villes, avoir des prestations de qualité. Est-ce que tu peux nous donner, allez, 3 conseils pour les gens qui disent mince, Guillaume, il a absolument raison. Moi qui cherche un appartement à Toulouse. Depuis des années, j'arrive pas à le trouver parce que c'est des budgets à 500, 700 000 minimum. 3 conseils pour pas se tromper. Alors, je vais essayer de donner 3 clés pour effectivement
pour ton audience, ça serait bien d'apporter un peu de valeur. Ouais. Alors, le premier conseil, on va dire, il faut faire attention à l'évolution démographique de la ville. Ouais. Donc ça, c'est assez simple à faire. Hein. Il faut aller dans Wikipédia, tu tapes le nom de la ville, tu vas avoir la courbe démographique. Ouais. Et donc, si tu as une courbe démographique qui est descendante, là, c'est hyper dangereux. C'est bon signe. C'est pas bon signe. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y investir. Par contre, tout à l'heure, on parlait de 10% brut. Moi, quand je vois qu'il y a une courbe qui est comme ça, où ça perd la ville perd 1000 habitants tous les 3 ans, je vais être beaucoup plus exigeant sur la rentabilité. Je vais pas accepter du 10% brut. Peut-être du 12, du 13. Là, je vais viser du 12, 13, 14, parce que je vais anticiper le fait qu'à un moment donné, ça va être peut-être un peu difficile de louer, donc je suis obligé de baisser mes loyers, parce que de toute façon, c'est l'offre et la demande. Hein. Mm-hmm. Donc, je l'anticipe. Ok, tu vas compenser la vacance locative par la diminution de loyer. Ça okay. peut être une solution. Ok, parfait. Je dis pas que je vais le faire, mais si j'ai besoin de le faire. Tu as cette marge-là. Voilà, c'est pour ça que je négocie beaucoup plus dans ce genre de ville. Et de toute manière, j'ai remarqué, je pense que quand même la plupart des investisseurs ne sont pas idiots. Ils doivent l'étudier, ce critère. Et dans les villes où vraiment les villes qui sont en perte de vitesse, souvent on arrive à négocier beaucoup plus fortement. Quoi. On peut être beaucoup plus agressif. C'est un petit peu comme la bourse en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Quand tu es sur une phase descendante, ça peut être un bon plan pour acheter en engageant de rappel. Okay. Par contre, il faut être agressif au niveau de la négociation. Bien sûr, ok. Second conseil. Alors, second conseil, pour ne pas se planter, c'est ça hein. Ouais. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire des opérations simples. C'est-à-dire, ne cherchez pas à acheter un immeuble où les appartements ne sont pas encore créés. Parce que ça, c'est complexe au niveau administratif. Pour les autorisations de la mairie, peut-être un permis de construire, une autorisation de travaux. Au niveau des compteurs, c'est compliqué. Mm-hmm. S'il y a un seul compteur alors vous voulez créer 3 lots, il va falloir faire l'électricité aux normes, faire passer le consuel. Ça va être dès qu'on a affaire à l'administration en France, de toute façon, c'est compliqué ouais. Donc le mieux, c'est d'acheter un petit immeuble hein, avec 3 appartements, mais voilà, les 3 sont déjà créés. Ok, des lots déjà créés. Voilà. Ok. Ça, et aussi, du coup, les travaux seront beaucoup plus simples. Oui. Que vous achèterez les lots sont déjà créés, alors certes, peut-être que dedans ce sera défraîchi, il faudra tout repeindre, changer les cuisines, refaire la salle de bain, mais au moins, ça, comme c'est déjà créé, c'est des travaux qui sont faciles à chiffrer, parce qu'il y aura peu de mauvaises surprises. Ouais, le gros est déjà là. Ouais. Ouais, le gros est déjà là, quand on commence à tout restructurer, souvent on sait quand les travaux commencent, mais on ne sait jamais quand ils se terminent. Ok. Donc voilà, s'il y a un conseil que je pourrais donner, ça serait ça, faites du simple. Ok, et le troisième conseil. Alors, je sais pas. alors quelque chose qui est hyper important. D'ailleurs, après, je donnerai même un quatrième conseil. Troisième et quatrième voilà, conseil. Un bonus. Quand vous achetez un immeuble où il y a déjà 3 appartements, vérifiez bien qu'il y a 3 compteurs d'eau et 3 compteurs EDF. Parce que c'est quand même la situation idéale. En tout cas, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est un seul compteur pour les 3 apparts. Ça va être déjà, en théorie, c'est interdit en France, puisqu'on n'a pas le droit de revendre l'électricité. Il se peut qu'il y ait les 3 compteurs EDF, mais un seul compteur d'eau. Donc ça, c'est tout à fait légal, hein, ça se fait. S'il y a des sous-compteurs, donc on peut quand même facturer au réel, au locataire en demandant une provision pour charge. Le truc, c'est que si votre locataire ne paye pas, non seulement il ne vous aura pas payé son loyer, mais en plus, c'est vous qui allez devoir payer la facture d'eau à la place conseil. Du locataire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux. Idéalement, si tout est séparé, c'est beaucoup mieux. Quoi. D'accord. Et puis, alors, du coup, tu veux un petit bonus conseil J'attends le bonus alors. Alors, le bonus conseil, ça serait de bien vérifier le montant de la taxe foncière. Parce que j'ai remarqué dans certaines petites villes, souvent justement, des villes qui sont un peu en perte de vitesse d'un point de vue économique, les taxes foncières sont très élevées. Ok. Je vais juste te donner un exemple comme ça. En Lot-et-Garonne, il y a une ville qui s'appelle Villeneuve-sur-Lot. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. J'ai été visiter un immeuble il y a 2 semaines. La taxe foncière, c'était horrible. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des loyers potentiels encaissés de 1500 euros. Et la taxe foncière, c'était 4200 euros. Donc, wow. C'était quasiment 3 mois de loyer qui partaient en taxe foncière. Donc, ça, c'est hyper dangereux parce que. Ça détruit la renta. Ouais. Déjà, ça détruit la renta. Et le jour où tu n'as pas de locataire. Non seulement tu n'encaisses pas de loyer, mais en plus en fin d'année tu dois. Tu remets 3 mois dans. Ouais, tu dois verser 4200 euros. Donc ce genre de ville, je pense que c'est à éviter. Ou alors on peut y aller, mais comme tout à l'heure, il faut en prendre en compte dans la rentabilité. D'achat.
Ça joue sur l'offre d'achat, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, il ne faut plus demander du 10, 12 ou 14, là, il faut demander du 16, parce qu'on sait que la taxe foncière plombe. Ouais, auquel cas, c'est plus en renta qu'il faut raisonner, mais c'est en cash flow, quoi. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Ok, bon, très bien. Voilà. Eh bien, écoute, merci Guillaume. Je t'en prie, c'est pour ces, un plaisir. Pour ces conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver si. Bah voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les immeubles de rapport. Ouais, tu as un site, ouais. Tu as un blog. Alors oui, j'ai un blog qui s'appelle, c'est très simple, hein, c'est immeubledorapport.fr. Ok. Voilà, c'est super simple. Ça fait 4 ans, je crois, que j'ai ouvert ce blog où je donne des conseils, un peu comme je viens de vous donner là. Où aussi j'explique des opérations que j'ai fait, souvent des opérations. C'est vrai qu'il y a des chiffres. Oui, j'explique des opérations de déficit foncier que je fais avec des travaux, je montre des photos avant, après. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller faire un tour, ouais, immeubledorapport.fr. Immeubledorapport.fr, n'hésitez pas à retrouver Guillaume sur son blog. Écoute, merci Guillaume d'être passé sur cette chaîne. Alors, quant à moi, mon cœur de sujet, c'est la location courte durée. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce mode d'exploitation, n'hésitez pas à télécharger mes deux e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis, je vous mets également à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books et accéder à cette formation, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis, si vous nous regardez sur YouTube, vous avez accès à l'ensemble des liens de téléchargement de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous. Allez, bah écoute, on va vous quitter ici pour aujourd'hui, hein. Et puis, on vous retrouve personnellement sur louerencourtedurée.fr et Guillaume sur immeubledorapport.fr. À très bientôt. Ciao. Salut.